seulement 11h30, je dirais. J'ai dormi que 3h. 3h, 3h30, j'ai pas réussi à dormir. Faut vraiment que je me prépare, parce que j'ai une longue journée qui arrive. Alors, je vais commencer par coiffer. Vous me voyez complètement démaquillée, donc vous voyez un peu les petites imperfections que j'ai sur le visage. Je reste un peu loin de la caméra pour pas vous effrayer. C'est pas du fond de teint que je vais mettre, c'est du bébé crème. J'aime pas le fond de teint. Mais du coup, je vois rien, moi. Mon miroir, il est juste derrière vous. Du coup, j'ai pas trop la technique pour appliquer ça, vu que j'ai pas l'habitude. Mais bon, merci les tutos YouTube. Je suis complètement en retard. Parce que j'ai rendez-vous à 13h en ville. Merde, je suis clairement en train de me peindre les sourcils. Voilà. Vu là où ils sont mes boutons, je crois que c'est des boutons d'hormones, à ce que j'ai compris. Un peu de blush. Vous savez qu'avant je mettais pas de blush, mais c'est ma mère qui m'a dit « Oh, tu devrais te mettre du blush, ça te rendra les petites joues toutes rouges. » Elle m'a aussi appris la technique de, au lieu de mettre du blush, tu pinces tes joues comme ça. J'ai pas très envie de me maltraiter. Je mets pas de contouring, je sais pas appliquer ça et j'ai peur de ressembler à un clown donc. Par contre, j'ai un cil qui part en couille. Je sais pas ce qu'il a. Il est tout seul. Ah, il me fait de la peine. Désolée. J'essaie de faire un maquillage hyper nude. Ceci n'est pas un tuto de maquillage. Regardez plutôt ceux de Sananas parce que moi je suis pas une experte. Je viens de me poser une question con. C'est comment qu'on fabrique les miroirs? Parce qu'en fait. J'ai un doute, j'ai cru que ça règle pas. Je suis grave en retard, mais ça c'est normal. Dans la fin de mon nom de famille, il y a marqué tard, donc bon. C'est un signe. Et apparemment, il y a aussi le quart d'heure charentais. Donc si tu ajoutes 15 minutes du retard charentais plus mes 15 minutes à moi, ça fait 30 minutes. Oh! Faut que je fasse un vœu. Je me suis mis du noir! En voulant enlever mon cil, je suis deg. Ok, bah j'aurai la poisson, mon vœu ne va pas marcher. Oh merde. C'est pas parfait, mais on va juste voir la grand-mère et la mère. Le moment où je mets le baume à lèvres, c'est mes 2 secondes de bonheur de la journée. J'adore mettre du baume à lèvres, j'en ai partout. Ici, à la coiffeuse, dans mon peignoir, à la table de nuit, dans mon sac et dans la salle de bain. Oh my god, ce serait pas un cheveu blanc ça? Là, là. Oh merde. J'ai que 23 ans. Ah! Je l'ai eu. Oh putain, j'en ai pour des kilomètres. Ah putain, je suis en train de construire une autoroute. Vous voyez? Cette conne, elle tourne. Vas-y, c'est pas grave. Au pire, quand je marche, ça fera ça. Alors, putain. Bon, vous avez compris, je me pèterai l'œil à chaque fois. Même si c'est complètement inutile, j'ai envie de mettre du rouge à lèvres rouge. Merde, j'ai trop dépassé mes lèvres là, je suis con. Tiens, mon look il est complètement décalé. Regardez. Classe. Street. Classe. Street. En fait, j'ai trop envie de mettre des talons, sauf que le problème c'est que la dernière fois que j'ai foutu des talons et que j'ai marché longtemps, au bout d'un moment, j'avais trop mal aux pieds, aux chevilles et à l'aine. Et donc du coup, ma soeur m'a dit, bon vas-y, on va rentrer parce que tu me fais de la peine comme ça. Parce que je marchais en canard en fait. Tu sais, je marchais de la même façon que quand la mer rouge vient d'arriver et que je vais en direction des toilettes pour pouvoir mettre une couche. Donc voilà, c'était pas très glorieux à voir. J'ai tout ça à foutre dans la voiture. Bon bah je suis clairement à la bourre. Je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il est 13h10, un truc comme ça. J'avais rendez-vous à 13h, voire même un peu avant. Et je marche toujours pas au point de rendez-vous quoi. Je me suis garée ici, c'était payant. Je suis partie, je dis putain, j'ai oublié de mettre du truc, enfin l'argent au rodateur. Je suis revenue, ma mère m'a appelé au même moment. Je dis ouais, mais attends, j'ai fait demi-tour pour le rodateur. Et elle m'a dit oui, mais garde-toi l'autre parking, il est gratuit, il y a ma voiture. Blablabla. Du coup, j'ai dû faire demi-tour, prendre ma voiture, aller à l'autre parking. Enfin bref, j'ai perdu du temps. Ah, le ciel est bleu, j'adore. Mmh. Là, non, mais je parle à la vidéo. Ah. Donc là, on va commencer par faire le cadeau de ma mère. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a dit que je devais faire des photos parce que j'ai des beaux yeux. Crâneuse. Bah quoi? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un monsieur. Que je connais pas du tout. Mais oui, il y a le Père Noël derrière moi. C'est un bon monsieur. Oui. J'avais
pas voir si c'est un vrai enfant. Il est là. Oui. Bon, pour l'instant, on n'a toujours rien trouvé. Ça va être galère. Tu n'arrêtes pas de nous dire, mais gardez vos sous, les filles. Non, on veut faire un cadeau. Elle a enfin trouvé quelque chose, même si c'est minime, elle a enfin trouvé quelque chose. Ça, parce que ce que je reproche dans sa salle de bain, c'est qu'à chaque fois que je vais dans sa salle de bain, il n'y a pas de savon, faut que j'aille dans la cuisine pour me laver les mains, etc. Puis rien n'est assorti, genre le pot il est pas de la même couleur que je sais plus quoi. Il faut aussi que j'achète une poubelle parce que je reproche de pas avoir de poubelle dans sa salle de bain parce que c'est chiant, je dois acheter mes trucs pareil dans la poubelle de la cuisine. Donc au moins c'est déjà ça, mais je vais encore acheter plus. Attends, nous avons un plat tout chaud, une belle de chiottes, hop, truc de salle de bain. Donc là, rendu à Marseille chez ma mère, donc on va faire les essayages de vêtements, les 7 poches que j'ai ramenées. Là, il y a ma grand-mère qui arrive tout là-bas, là, sa petite tête, voilà. Donc on va tester les fringues et j'espère qu'elles vont prendre des trucs parce que j'ai pas envie de me retrouver avec 7 poches. Là, on attend ma sœur qui va arriver dans 20 minutes parce qu'elle a de la route à faire, donc c'est un peu chiant. La grosse, ça fait 7 kilos, plus de 7... Oh, presque 8, hein. Plus de 7 kilos. Oh. Presque 8. Oui! Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il réclame? Des croquettes! Attends, je vais ouvrir là, puis je suis à ma place. Tu vas être encore plus bouboule que tu ne l'es déjà. Et moi, l'autre fois, là. C'est chiant, là, t'es énorme. T'es grosse, après, c'est la charrière. En fait, c'est que là, dans cette porte-là, il y a ces satisfaction. Un autre nez aussi, il y avait amande et puis l'autre. Bon, je fais quoi, maman? Ben, j'étais dedans ici. Ben oui, c'était beau, ouais. Je fais quoi, maman? Je lui donne ou je lui donne pas? Les bio, elle est trop mignonne, ça me fait trop de peine. Regardez-moi cette petite bouille. Et ben, au lieu de soja. Maman, je fais quoi? Je lui donne à la grosse? Ouais, elle est bonne, disons. Ah, elle est trop chou. Elle nous lâche la part. Oui. Hop, bien, je vais marcher sur la patte. Ah, c'est les whiskers. C'est bon. Oui, mon cœur. Tu vas avoir. Pour le soja à l'ananas, tu vas en avoir. Je sais plus. Et calme-toi. Calme-toi, boudin. Voilà, mon petit gosse. Zouzou. Il s'appelle Oscar. Coucou, Zouzou. Je vous ferai une présentation de mes chats en vidéo. Et oula, quand à un moment, je passe mon... Je fais, pourquoi qu'elle est rugueuse comme ça? Oh, je dis, elle est cassée. Oh, je dis, ben, je vais l'enlever parce que je dis, si elle... Oula. Mais on t'emmerde, ma chérie. Bien dosé. Okay. Ah, j'adore, moi. Je me fais, le soir, maintenant, je me fais... Mes pauvres petits bébés. Oh, bah là, Zouzou. Oh. Ma mère demande, c'est quoi ce toit qui chante? Viens voir. Attends. C'est peut-être lui, mais après, il y avait un petit oiseau qui était... Moi, je sais pas. Tiens, attends. Ah oui. Ta-ta-ta-ta-ta. Tes yeux, ils sont pareils niveau... Ah non. Ah ouais? Je vois pas de différence. Regardez-moi ça. Ta patte me gêne. Regardez-moi ça, c'est un gros bébé. Oh, monsieur le bébé. Bon, ah bah enfin, ça fait 1000 ans qu'on t'attend. Non, on si. Mange jusqu'à sentir les choses. J'étais là, mais c'est que je fermais... Bah, tu finissais ton boulot, bah ouais. Oui. Faut bien que tu fasses ton boulot. Bonjour, mon petit bébé. Ah ouais, dans la lèvre. Quand je suis avec cette famille-là, la côté maternelle, on est obligé de parler de chat. Je mets pas les lèvres, moi c'est les doigts, mais ça fait rien. Elle est toujours à vouloir mordre, griffer, elle est chiante. Non, elle est mignonne. Oh, ouais, tiens. Bah, tous les soirs, elle est pourtant sur mes genoux, elle adore, mais c'est vrai. Mmh. Il parle de ma fille, Nelly. Mais c'est surtout que je faisais les magasins avec maman tout à l'heure et je lui dis, mais pourquoi je prendrais pas des plaids à papier mamie? Elle fait, oh non. Du coup, on est rentré, je lui dis, elle me dit, bah si, les plaids, ça me plairait bien. Je suis putain, t'es chiante. Mais non, ça me plairait bien, c'est que j'en ai plus, les grenats, ils sont foutus. Mon anniversaire, c'était le 10 novembre. Nous sommes actuellement, on est combien? On est le 17. Oh, ma petite mère. On est le 17 décembre et je vais enfin ouvrir mon cadeau d'anniversaire. Vu qu'il y a eu le confinement, ça a été un peu galère. Oui, mais j'ai ça pour mon anniversaire. Et ça se voit pas qu'un truc dessous. Ouais. Elle est belle la boîte. J'adore la boîte. T'as vu, elle est magnifique la boîte. Tu la gardes la boîte. Bah oui, bah, l'autre aussi je l'ai gardée qu'on m'avait offert il y a. On aura des sous, hein, pour faire des sous supplémentaires, ça. C'est le truc, la rituelle, là, la boîte. Ça sent trop bon. Oh, qu'est-ce que c'est maintenant? Bah oui, c'est frais. Bah garde-le. Ah, c'est des nouvelles bougies. Tu vois?
J'ai jamais senti une odeur aussi waouh. Ah, c'est ce que t'as. Est-ce que... Et c'est ce et tous les produits sont à ça. C'est ce que t'avais commandé l'autre jour. Oui, bon, que mon ex m'a volé ce produit-là exactement. Ah oui. Ouais. Mais oui. Je m'en suis rendu compte direct. Quand je suis rentrée dans la maison après avoir déposé à la gare, je me suis rendu compte direct qu'il me l'avait volé. Pas trop, mais c'est... en fait, tout ça, c'est la même odeur que ça. Tu vois la bougie à son bras. C'est doux comme odeur. Ça, c'est un scrub, c'est à gommage. Ouais. C'est doux, hein. C'est très doux, c'est pas entêtant. Ça, c'est une bougie. Ça, c'est une crème pour le corps. C'est ce que tu avais reçu, alors c'est ça que tu avais reçu. L'autre, c'est une mousse de douche. Ah oui, voilà, bonjour, on l'a déjà acheté. Oui, bon, bah, on peut participer à ah, c'est pour vous, pour vous deux. Si, parce qu'il me faut de la couleur, il me faut plus de noir. De toute façon, j'ai mis les sous que je voulais vous donner. Mais tu sais que c'est marrant parce que hier, j'ai fait mon truc. Putain, il me faut des gros gilets parce que j'ai tout le temps les mêmes. J'ai mon jaune et j'ai mon gris, mais j'ai tout le temps les mêmes. Il a acheté un Google Home. Ah oui, il y a l'étiquette, mais je l'ai griffé. J'ai enlevé le prix, mais j'ai enlevé. Ah bah, tu la mets la robe du coup. Ouais, du coup, je l'aime bien. Je trouve ça elle va bien, elle va bien. J'ai commencé, mais après, j'arrive. Et avec son futur cadeau de Noël, elle lui ira très bien. Parce que j'ai mis avec la une ceinture et je me suis dit non, en fait, c'est super beau. Moutarde et tu vois, ça prend, mais toi, dedans. Ouais, bah oui, c'est toi qui es. Petit chauve moutarde, c'est super bien. Ah, elle aime bien la moutarde, elle. Ah, je suis contente. Ah, putain, il est long en plus. Ah, c'est bien parce que j'ai plus de deux gilets et je mets tout le temps les mêmes, mais c'est chiant. Janvier. Ouais. Ah, j'adore. Bah après, on aura plus de. On aura plus de kimono. Ça fait un peu les d'oreilles là, comme ça. Du monde. Des fois, si t'as envie vraiment de. Ah, ça fait classe. J'ai pas osé lui demander. Oui, de peur de te ridiculiser. Si, vêtements, ça me plaît toujours. Quel coup qu'elle m'a fait, j'ai lu l'autre fois quand on faisait son tri de chaussures. Ah, maman. Quand on faisait son tri de chaussures l'autre fois, il y avait toutes ces chaussures dans l'entrée. C'est à toi, ça, Marion. Maman, attends. Non, c'est à Julie. Il y avait toutes les chaussures dans l'entrée, dont les miennes. Donc, attends, maman. Donc imaginons, je mets les miennes. Moi qui n'ai pas de petits gilets. Et les deux, c'est pareil. Et il y avait toutes les chaussures de Julie dans l'entrée. Donc elle dit, bon, ça, je ne garde pas et tout. Et après, elle regarde ses chaussures et elle me fait, oh, ça, je crois que tu me les avais données. Mais... Et je dis, mais Julie, je dis, t'es sérieuse? C'est les miennes. Genre, je suis venue chez toi avec, c'est mes chaussures, en fait. Non, elle est trop con. Bah oui, mais elle est bien. Ma mère est omnibulée par le livre de chat. Ah, mais en plus, c'est un CD chat. Moi non, ouais. J'aime bien la chemise, ça te va bien. Ah ouais, franchement, elle te va bien. Et toi aussi, maman. Non, franchement, j'adore. Non, elle te va bien. Mais non, la robe, elle est dans les trucs, Julie. Ah ouais, comment une robe. Non, ça te va bien, franchement. Vous vous souvenez pas, c'est le haut que j'ai essayé dans mon big train hall. Vous savez, je l'avais montré dans le hall et j'hésitais trop. Je disais, ah, j'aime pas l'orange. Mais ma mère m'a fait comprendre, non, c'est pas orange, c'est rouille, c'est rouille, c'est rouille. Et du coup, bah, au final, ils m'ont tous dit que ça m'allait super bien. Du coup, bah, je le garde. Ok, donc là, je viens de rentrer chez moi, donc faut que je... parce que le temps, il tourne. Faut que je fasse vite une vidéo TikTok. Calendrier de l'Avent, jour 17, des choses insolites sur moi. Pff, là, j'ai l'air d'une tête, je te jure, avec le rouge à lèvres rouge. Là, je vais aller me démaquiller et je vais un peu faire du rangement de la chambre parce que... Oh, tu verrais le bordel que c'est. Ma chambre ne ressemble plus à la vidéo room tour que je vous avais fait il y a une semaine. Je suis hyper fatiguée. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur les comptes de tous les nouveaux abonnés Insta comme je fais tout le temps. Alors là, avec leurs photos pour leur faire plaisir si je vois qu'ils sont en compte public. Et après, je vais répondre à quelques de leurs messages. Et après, je crois que je vais m'endormir parce que je suis trop claquée. Bonne nuit.